Bonjour à toutes et à tous, je suis Bob, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Occupy Mars. Donc on va continuer notre petite aventure. L'idée là ça va être de rajouter des panneaux solaires et un nouveau générateur. Alors je sais pas si les panneaux solaires on pourrait pas les regrouper, ça serait pas mal. Alors je sais pas si je les ai mis dans le bon ordre aussi. Dites-moi si des gens savent. La batterie, on est à 40 kW de stock, ok, et on sort 20 kg. Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là. Hein. Parce que là, on fait rentrer les panneaux solaires. Mais il va nous falloir plus d'énergie. Ouais, ils sont passés verts, eux. J'avais pas fait gaffe. Et il va falloir aussi qu'on arrive à trouver... j'ai pas regardé d'ailleurs. On en est où au niveau de la bouffe et de la soif? La soif, on est bon. On va en profiter pour boire un coup. Ah, on peut l'alimenter électriquement. Ok. J'avais pas fait gaffe. Donc ouais, pour l'instant, on produit que de l'eau. Le volume actuel, on est à 1050 litres. Ça va. Pas de bouteille à remplir. On n'a pas une bouteille vide? H2O, il est où? Ah bah non, elle est déjà pleine. Par contre, c'est le O2, l'oxygène. Va falloir qu'on le remplisse rapidement. Et ça, je sais pas comment on fait pour le remplir. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Alors, on va reprendre... on a quoi, là? On va essayer le marteau-piqueur. Parce que je l'ai pas encore testé, ce truc-là. On va essayer sur des rochers, on va voir si ça nous donne quelque chose. Minerai inconnu. On l'a cassé là? Je sais pas ce que ça va nous donner comme point ça. Des points de mécanique, j'ai l'impression. Ça tombe bien. Il va nous en falloir pour améliorer nos outils. Peut-être chargé. Ok. Ah, c'est qu'on peut recasser un gros minerai en plus petit. D'accord. Bon, on va prendre du point là, comme ça. On va essayer, on va voir ce que ça nous débloque. Parce que j'aimerais bien avoir un stockage. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. On va user un peu notre marteau-piqueur, c'est pas grave. Alors, en fait, il faut les recasser plusieurs fois. Hop là. On va finir de casser ça, on devrait avoir assez de... ouais, c'est y est, on a débloqué le point. Ah, et je crois qu'on a débloqué aussi un point en culture. On va aller voir ça dès que j'ai fini de concasser ça. Il en reste plus que deux. Hop là. On va ranger le marteau-piqueur. Inventory film.
Ah oui, ça me dit que l'inventaire est plein. Forcément. Mais ouais, niveau électricité, on est un peu juste. C'est quoi ça? C'est un caillou? Récupérer. Ouais, on sait pas ce que c'est. Bon, on va falloir qu'on produise plus d'électricité, même si là pour l'instant on stocke. On produit plus que ce qu'on utilise, donc c'est déjà pas mal. On va aller voir nos plantes, ce que ça donne. Ah si, elles sont toutes petites. Donc c'est bon signe, ça pousse. Donc on va aller dans la tablette. Arbre techno, botanique. Ah bah, unité de stockage. Parfait. Je venais de le dire qu'on allait en avoir besoin. On va débloquer ça aussi. Ouais, on décale comment ça? Ah, comme ça. Ouais, il nous faudrait le détecteur niveau 2. Parce que j'ai fait quelques recherches, il nous faudrait ça. Donc, nécessite le desk électronique. Ok, donc le desk, il est là. Donc, pour ça, va falloir qu'on refabrique de l'électricité. On va peut-être se refaire une deuxième batterie. Alors, batterie, construction, électrique, station batterie. Il nous faut des petits circuits imprimés. Alors, je sais pas s'il en reste dans notre over. On va aller voir ça. Là, on a dit circuit imprimé standard, cellule. Non, on n'en a plus. On va regrouper déjà les plaques d'alu. Plaques d'acier, ça c'est quoi? De l'électronique. Plaques de verre. Les petits tuyaux, on peut les regrouper. On va pouvoir récupérer ça. Mais on n'a plus de petits circuits imprimés. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer alors? Cela va falloir qu'on se mette en mode construction. Déjà, on va se faire une rampe. Chalumeau. Réparez-le sur la table de travail ou utilisez un kit de réparation. Ah, on a peut-être ça. Kit de réparation. Comment on fait pour s'en servir de ça? Ok. D'accord. Ça marche comme ça. On glisse dessus et ça le répare. Cool. Bon, déjà, on galérera plus. On n'aura plus besoin de sauter pour rentrer. Ça, ça va être bon. Ensuite. Non. Ah si, on va fabriquer. Alors, c'est dans construction. Ça va être dans quoi? Ressources. Ça. Station de pompage. On l'a déjà mise, ça. Nourriture. Unité de stockage. On met ça à l'intérieur, je pense. Ouais, c'est ça, on le met à l'intérieur. Donc l'unité de stockage, on va la mettre de l'autre côté. Chalumeau. Cool. On range ça, et là maintenant on va pouvoir stocker des ressources ici. C'est ça. On va se garder quoi? Tablette abandonnée. Si je la pose, je peux plus m'en servir de la tablette. Je vais essayer pour voir. Ah si, on l'a toujours. Alors, grand circuit imprimé. On va commencer à stocker des choses.
Ça, on garde. Ça, on va en avoir besoin. Ça aussi. Toi, je peux te stocker. Toi, je te garde. Petite caisse de plantes, je la mets là, parce que je sais pas comment on s'en sert. On a gagné quelques emplacements. C'est pas grand-chose pour l'instant. Ah, je me suis trompé encore une fois. Alors, arbre techno. On a dit, il nous faudra ça. Ah non, je voulais pas cliquer sur LED. Matériaux. Pompage épurateur. Alors ça, il va nous le falloir pour fabriquer, je pense, le CO2 et l'oxygène. Donc ça va être le prochain qu'on va avoir besoin. Là-dedans, boîte inventaire. Fusible, évier, rampe. Donc on doit pouvoir se fabriquer une boîte inventaire. Construction. Là, il n'y a rien. Petit plateau hydroponique. Incubateur, ça il va nous le falloir, je pense. On va essayer d'en construire un, de toute manière. Ça va nous donner des points en plus. Ok. Je pense que c'est les petites plantes qui sont là qu'on va devoir mettre là-dedans après. Là, ça nous dit quoi en énergie? On a besoin de quoi? Requis, alloué, on sait pas. Alors là, on est à 18,7. Ah ouais. Va falloir vite produire plus d'énergie. Donc, on peut pas faire de nouvelles batteries. Allez, ouvre-toi, toi. On va essayer de faire un autre générateur comme ça, parce que comme ça on pourrait remettre des panneaux solaires. Alors, on a dit électricité, transformateur. Ah non, il nous faut des petits circuits imprimés, donc je vais être obligé de retourner à la base, faire de la démolition là-bas. Bah, c'est ce que je vais aller faire. Je vais peut-être vous le faire hors cam, histoire de ne pas perdre trop de temps sur la vidéo. On va aller farmer un peu la base qui est là-bas. Bon, les amis, je vous reprends. Donc, je suis allé dépecer tout ce que je pouvais dans l'autre base. Ça n'a pas été très concluant. Il n'y avait pas grand-chose à récupérer, vu qu'on n'a que la petite machine. Il va nous falloir alimenter ça avec une batterie. Parce que la nuit, ça m'affiche que mes plantes se flétrissent. Je me suis arrêté là où j'avais tapé les rochers là tout à l'heure. Apparemment, ça serait des petits rochers de silicium. Et là, on n'a pas de plantes. Ah, les plantes se flétrissent parce que j'ai oublié de refermer. Bah, on peut pas les ramasser, les plantes d'ailleurs. Ça fait quoi si je fais récupérer? On peut les mettre là? Ah ouais! Maintenant qu'elles ont grandi, faut les changer de côté. On fait ça une par une? Bon bah ok. Hein. Tout de même, on essaye, hein, vu que c'est la première fois que je fais ça. Mais j'ai l'impression qu'on en a carrément plus de ce côté-là. On peut en mettre 12. Et là, on en a combien? On en a 20. Ouais, 5 fois 4, 20. Ah, va falloir trouver un ratio d'équilibre entre le nombre de machines comme ça et le nombre de machines comme ça. Ok.
Déjà, on va mettre ça là-dedans. Comme ça, on va pouvoir produire notre nourriture. Ça sera déjà un bon début. On sera plus à l'agonie au niveau de la bouffe. Quoique, va falloir bien les transformer après. Et ça, je sais pas comment on fait encore. Donc là, je vais refermer ça. Il m'en reste 8. Et l'autre machine, elle nous demande 1,30. Ok. Et 3,60 de flotte. Donc on va lui donner ce qu'elle nous demande. Et là, normalement, ça devrait pousser maintenant. Rocky dit ouais, on est à 18 2 de conso. Oula, 21,35, comment ça se fait qu'on passe les 20? Là, je comprends pas. On est à plus 6 et ça c'est la réserve d'eau peut-être. Ouais, je sais pas, c'est bizarre qu'on consomme plus là que je fasse le compte quand même. Là ça nous fait 2 et on était à 15. 15 plus 2, ouais, 24. On consomme trop d'énergie. Ok, donc ça c'est pas cool. Ici je vais stocker les patates, je vais stocker le silicium que j'ai ramassé. Grand circuit imprimé, tablette abandonnée, on peut les cumuler, ouais. Toi, je vais te remettre dans mon inventaire direct. Je vais te mettre à la place de la machine à semences. Et la machine à semences, on va la ranger là. Hop là. C'est ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et je pense qu'il va falloir que je trouve une autre base pour trouver de l'électronique. Parce que l'électronique, on peut pas le fabriquer pour l'instant. On va quand même aller voir si on peut pas construire autre chose. C'est l'arbre de techno, il nous dit quoi là? Ah, il nous faudrait l'imprimante 3D. Ah, ça permet de fabriquer les petits composants de construction. Ou alors je vais remonter voir peut-être du côté de notre capsule. Ça pourrait être une idée. Ah, c'est que là il me faut, ouais. Ah ouais, on a un point mais on peut pas l'utiliser. Ah si, on peut améliorer la disqueuse. Bah elle est déjà améliorée, non? Je vois qu'il est déjà outil permettant la récupération de matériaux et de structures. Et de structures. Ah ouais, non, c'est la niveau 1. Elle est où la niveau 2? Je la vois pas. Compresseur, moto, détecteur. Ah ouais, elle est loin la disqueuse niveau 2. Ok. Ben, on va essayer de retourner à notre capsule. J'espère juste que la nuit va pas passer trop vite. Tu veux pas me laisser sortir? Ah ouais, on n'a pas assez d'électricité. Pourtant, on produit le plus possible, hein. Donc ouais, je vais essayer de retourner jusqu'à ma capsule avec le rover. Et je vous reprends quand on est à la capsule, on va essayer de voir si on peut fabriquer des petits circuits électroniques. Donc allez, c'est parti. On a 1 km à faire. Je vous reprends là-bas. Bon les amis, je vous reprends. Je suis allé arriver jusqu'à la capsule.
Alors, est-ce qu'on peut fabriquer les petits électroniques là-dedans? J'ai pas l'impression pour l'instant. Non, je vois pas de petite électronique. On peut faire des choses. Et d'ailleurs, on voit les différents types de minerais qui sont disponibles. On a déjà trouvé du silicium, l'alu, le fer, le calcium et l'uranium. Alors, je me suis rendu compte aussi que j'en ai attrapé avec ma pince, que j'ai mis. D'ailleurs, là, les réservoirs qui sont là, je ne sais pas du tout comment on y accède. Ça, j'ai cherché. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Ah si, elles sont là. Ok. Réservoir d'oxygène supplémentaire. Ok. Et là, il y a une prise de courant. Et là, on peut connecter un tuyau d'oxygène. On peut se ravitailler dessus? Non. Je vois qu'il y a d'autres minerais, donc là on va essayer de casser un peu du minerai, histoire de, bah, de continuer à avancer. Minerai inconnu. Non, ça veut pas. Ils me disent pour l'analyser. On va ranger ça. On va le mettre dans l'inventaire, on va voir si on le découvre comme ça ce que c'est. Ça serait du silicium aussi? Ok. Pourtant, il n'avait pas le même aspect. Il était plus gris, je pensais que ça aurait été plus du fer. Alors, on va essayer de voir si on peut attaquer celui-là. Et il est tombé où mon morceau? Minerai inconnu. Ouais, c'est bizarre. Ah, on gagne des points en tout cas. C'est le plus important. Alors, si on ramasse ça, ça nous dit quoi? Inventaire. Ah, on a trouvé du fer. Ok, cool. Donc, on va pouvoir commencer à fabriquer d'autres choses. Parce que l'imprimante, elle nous sert justement, il nous faut des minerais pour pouvoir fabriquer autre chose. Donc, ça, c'est du minerai inconnu. Donc on le casse pour récupérer après. Mais non, pas le... C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de le ramasser. 8 de fer. Ok, cool. C'est en train de me tomber dessus là, ce caillou là. Donc je vais continuer à casser ça, histoire de gagner en XP. Et bah, je vais vous faire une petite ellipse là-dessus parce que c'est pas intéressant à voir. Casser du caillou, il y a mieux à faire. Low temperature warning. Bon, ça me dit que la température est en train de chuter. Donc là, on va ramasser le maximum de roches vu que j'ai tout cassé. Et ils me disent qu'il faut que j'aille trouver un abri et que j'aille dormir. Parce que ma vie est en train de descendre. Donc on peut dormir dans la capsule là normalement. Alors on va se renfermer à l'intérieur pour ça. Hop là. Et on peut dormir sur un des sièges là. Donc on va se dire de dormir jusqu'à 6h du matin. À peu près. Comme ça on s'épargne la nuit. Non, là, ça me dit pas que les plantes sont en train de flétrir. 50%. Énergie de combinaison, oui. On est au courant. Alors, on a gagné un point à force de miner. Si, je voulais voir si je pouvais pas fabriquer. Alors,
On a quoi? On a dû faire inventaire. Si je le mets dans le broyeur, ça fait quoi ça? On peut pas le couper ça? On peut l'analyser? Non. Imprimante. Ouais, si, ça nous dit que... Voilà, ok. Donc, on va mettre ça dans l'imprimante. Et là, on va voir ce qu'on peut fabriquer. Plaque d'acier, ok. Plaque d'aluminium, on n'en a pas. Ça, il nous faut de l'aluminium. Ça aussi. L'électronique, on peut pas. Les câbles, c'est le silicium. Ah, le silicium, on peut en faire un petit peu? Ok. Bon, on va essayer de crafter un petit peu de câble alors dans ce cas-là. Hop là, on va en faire ça comme ça. Et ça me fait 80 quand j'en fais 8. Ok, c'est par 10. Donc là, je retourne dans l'inventaire. Ah bon, on a plus de 800. Donc ça m'a pas servi à grand-chose, mais c'était pour essayer au moins. Donc on repart avec notre fer. Va falloir que je trouve de l'électronique. Allez, sors de là. Pourquoi t'as plus de vie toi? Alerte température basse. Ok. Hop là, ferme-moi ça, histoire qu'on rentre. Non, faut que je sorte de là pour afficher la carte. C'est quoi ce truc là? Je sais pas, c'est bizarre. Alors, notre autre base, elle est par là-bas. Ouais, voilà, ça c'est notre base. Ça c'est celle qu'on a dépouillée. Et j'en avais vu une autre. Dans les environs, normalement. Ah, elles sont loin les autres. Bon bah tant pis, hein, on va se diriger sur une des deux. Là je vois qu'il y en a une petite et une grosse. On va déjà s'occuper de la petite qui est là pour récupérer un peu d'électronique et essayer de s'agrandir. Donc je vais jusque là-bas et on se reprend. Hop là, tracé. Je vais me le mettre en rouge celui-là. Ok, ça m'a mis un point rouge, nickel. Donc on n'a plus qu'à aller là-bas. Là, ça va nous faire un bout de chemin. Ouais, il y a un bon bout de chemin. Et donc, ouais, on a trouvé le minerai de fer. Il est caché à l'intérieur des gros blocs, là. Donc, je vous reprends quand j'arrive à l'autre base qu'on va devoir démonter. Pour avoir de l'électronique, parce que là, j'ai vraiment besoin d'électronique pour continuer à avancer. Alors là, les amis, je vous reprends. Parce que là, j'arrive sur site. Et je suis en train de voir que celui que j'ai visé, c'est ça. Mais là-bas, derrière, je vois des dômes. Là-bas, je vois encore autre chose. Donc là, je devrais arriver à trouver pas mal d'électronique. Je vais essayer de farmer le plus possible là-dessus. Parce que ça va prendre un peu de temps. Et j'ai envie d'avancer avec vous sur les vidéos. Plutôt que de tourner en rond à miner et puis à découper des morceaux de ferraille. Donc je vous refais une petite ellipse, le temps de d'essayer de farmer un peu tout ce que je peux là-dedans. Et je vous dis à tout de suite. Bon les amis, je vous reprends. J'ai trouvé pas mal de choses. Et en vrai, il y a une quantité de base phénoménale là dans la zone où je suis. Donc il faudra que je revienne rechercher des ressources par la suite ici. Mais j'ai surtout vu ça. Là, il y a un trou. Et j'ai bien envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça m'intrigue, cette grotte. Il doit y avoir du minerai, je suppose, mais quoi? On va le... Hop là. Par contre, je vois que la température est en train de descendre. C'est normal, vu l'heure qu'il est. On a gagné un point d'électricité, un point de mécanique, et un point, je sais plus c'est quoi le dernier. Hop là, on va rentrer là-dedans. On va se mettre de la lumière. On peut pas les ramasser, les petits cailloux au sol, là? Non. Alors, on va explorer un petit peu la grotte, là.
On va essayer de casser du caillou là. On va voir si. Ça a l'air solide. Ça, je peux pas y casser. Eh, mais c'est gigantesque! Ah, la joie du verre, ça pourrait être de l'uranium qu'on a par là. Et je vais arriver à me perdre là-dedans, surtout, je crois. J'ai pas l'air d'y faire de dégâts. Mais ça descend encore par là? Sérieusement? Bon bah déjà, on a trouvé une mine. Et toi, c'est que je dois pas avoir le niveau pour le casser, ça. On va remonter. C'est quelle direction? Par là, je crois. Je crois que c'est par là la sortie. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me mettre un point de repère là-dessus. Parce qu'il faudra qu'on revienne. Donc, la carte. On va se mettre un point de repère ici. Tac. Icône. Roche. Nom. Mine. Ah ouais, ok, ça nous le marque comme ça après. Cool. Et ouais, donc là, dans cette zone-là, il y a un paquet de bases. Là, celle-là, on l'a déjà faite. Ouais, ça, c'est celle que j'ai marquée. Et j'ai visité celle-là, mais il n'y avait pas grand-chose. Donc, on va essayer de retourner jusqu'à la note de base pour essayer d'avancer un petit peu. Donc, je refais une ellipse, le temps de dormir et de retourner à la base. Hop là, on se referme. Privation de sommeil. On va dormir, déjà. Ah, j'ai pas assez d'eau. Ah si, j'ai trouvé de l'eau. On va en profiter. H2O, il est où? Ah non, c'est des bonbonnes vides que j'ai trouvées. Bon, bah on va utiliser celle-là. Hein. Non, on va finir celle-là déjà. On va dormir le maximum qu'on peut. Ok, on va déjà dormir ça. Et quand on va se réveiller, il faut que je me dépêche de changer la bouteille d'eau. Parce que sachant qu'on va mourir, sinon. En tout cas, c'est bien parti pour. Oui, alerte, je suis au courant. Suit power, 75%. Allez. Change vite ta bouteille. Elle est pas vide en plus. Qu'est-ce que tu me dis? Par contre, la jauge de sommeil, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est. On va redormir un petit peu et je vous retrouve quand on arrive à la base. Bon, les amis, on se reprend. Je viens de revenir à notre base. On va déjà aller voir les points qu'on a débloqués. Donc, arbre techno. Et on a dit, il nous faut ça déjà pour commencer. Electricity, technology access level increase. Même si j'aurais voulu avoir le rack de batterie. La botanique, on n'a pas de points. Matériaux. On prend quoi? L'épurateur. Produit des bouteilles de CO2. Ouais, ça m'intéresse. Materials, technology access level increased. Et mécanique. Soit on débloque la disqueuse.
Ah, ça pourrait être pas mal ça, ou le détecteur. Et d'estimer leur composition. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Mais je vais peut-être partir plutôt sur les disqueuses là pour l'instant. On fera le Mechanics, détecteur technology access la fois level d'après. increased. Ok. Alors, construction. On va se refaire un deuxième transfo, on a dit, avec une nouvelle série de panneaux solaires. Alors, hop là, on le descend, on le tourne. On peut pas le coller plus près? Non, il est au plus près déjà. Alors, chalumeau. Vas-y, fabriquons ça. Parce qu'il nous faut le transformateur en fait pour remettre des panneaux solaires. Allez, petit circuit imprimé là-dessus aussi. Il en faut partout des circuits imprimés, c'est abusé par contre. Va falloir qu'on trouve comment les fabriquer rapidement. Construction, petit panneau solaire. Ah, j'ai pas regardé. S'il me demandait de les. Non, les panneaux solaires, ils nous demandent pas de. Ok, ça c'est cool déjà. On va tourner toutes les prises du même côté. Je vais essayer de les mettre pas trop loin les uns des autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les mettre comme on voudrait. Tac. Et le dernier, on va le mettre. Ah là, voilà. Comme ça, on n'est pas trop loin de ça. Maintenant, on construit tout ça pour avoir suffisamment d'électricité. Hop là, toi, c'est bon. J'espère qu'on va en avoir assez. Ouais, si on a assez de ressources. C'est ce que je regardais. Donc on va déjà doubler la production électrique. Ce sera déjà un bon début, je pense. Il m'en reste un là. Voilà. Je cherchais où il était le dernier. Et s'il y a des gens qui ont des conseils à me donner, dites-moi dans les commentaires, hein, je suis preneur. Alors, inventaire. On a dit câbles. Ils sont où? Non, ça c'est l'eau. Moi, je veux les câbles électriques. D'ailleurs, les câbles, on va les mettre à la place de l'extincteur. Parce que l'extincteur, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ah, je suis coincé où? Hop là, toi tu te branches là. Hop là, Edin. Ah, faut choisir le câble à chaque fois par contre. Deux. Après, de toute façon, on aura les éoliennes, ça produira sûrement plus d'électricité que les panneaux solaires. Et le dernier, le câble. Hop là. Ici. Et de là, je ressors. Tac. Je peux pas? Ah, j'avais pas prévu ce détail-là. On peut le ramasser? Récupérer. On fait comment pour le ranger? Ah si, là on le renroule. Voilà. Ah non, je croyais.
Ok, tiens. Ah, c'est pas mal ça. Hop là, et on fait comment pour le ranger après? Là, c'est problématique. Faut que je construise un autre machin comme ça? Ben, on va en construire un autre alors, hein. C'est un transfo qu'il nous faut. Parce qu'il n'y a qu'une entrée sur les batteries. Je croyais qu'il y avait plus d'entrées que ça. Je vais refaire le tour. Non, il y a que, sur la batterie, il n'y a qu'une seule entrée. Ok, donc il me faut un autre transfo qui regroupe les transfos, c'est le cas de le dire. Bon, bah alors, un transfo. Je descends, on te met là. Non, chalumeau. Ok, ça c'est bon. Je te branche là et je te branche là. Toi, je te débranche de là. Ouais, parce que les câbles là, je sais pas comment on fait pour les renrouler d'ailleurs. Ça, c'est pareil. Si vous savez, dites-moi. Cela, ça fait un peu dégueulasse mon histoire. Donc, on va en reprendre un autre. Hop là. Au moins, il va être court celui-là. Et là, on est bon. Donc, là, on va aller voir dans les ordis ce que ça nous dit. On envoie 100% ici. Lui, il envoie 20 kilos dans la sortie 1. Ah non, dans la sortie 2. Ok, donc là, il y a bien 20 kilos. Et là, faut qu'on mette pareil les 20 kilos. Non, c'est dans la sortie 4, là, en plus. Hop là. Comme ça, là, on a 40 kilos qui arrivent. Et là, la batterie, elle va déjà beaucoup plus appréciée. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal. On pourrait refaire même une deuxième batterie pour avoir plus d'énergie. Parce que eux, ils stockent rien du tout. Ouais, il me refaudrait un autre transfo après après les batteries en fait. Pour que je puisse alimenter les batteries et ressortir sur un transformateur qui lui va réguler derrière. Je pense que par la suite c'est ce qu'il faudra. On va aller voir nos plantes. Ah, il n'y a pas assez d'énergie. Il faut qu'on envoie plus d'électricité. Alors je sais pas combien, on va mettre 25. Allez, on peut même pousser à 30. De toute façon, on a plus d'électricité. On a 40 qui rentrent. Donc même si je mets 30, normalement, ça devrait pas poser de problème. Cela, on est à 40 kilos qui vont dans la batterie. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, on a 2 fois 20. Et là, normalement, je peux rentrer. Ouais, c'est bon, ça marche. Lui, ah si, il faut que je réalimente aussi mes bouteilles d'eau. Alors, ah, on peut remplir les bouteilles d'oxygène ici? Ah oui, non, il n'y a pas d'oxygène. Ah, faut qu'on récupère d'abord la bouteille. Allez, viens avec moi. Hop là. Pas assez d'eau. Comment ça, pas assez d'eau? Là, j'en ai une de vide. On va y mettre la pleine déjà. Et pourquoi il me dit qu'il n'y a pas assez d'eau? On a bien un réservoir d'eau qui est plein. Apport requis, ok. Volume actuel, on est à 1050 litres. Volume maxi.
Ouais, c'est bizarre ça. Ça me dit qu'on n'a pas assez d'eau alors que pourtant on a le maximum de stockage. Alors là, je comprends pas. Faut que je la mette manuellement la bouteille, peut-être. On va essayer. Hop là. Non, ça me l'a récupéré la bouteille là. Ça me dit pas assez d'eau. Là, je comprends pas. Pareil là-dessus, hein, si vous savez comment ça fonctionne, hein, dites-moi. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Ouais, on envoie 100% de la flotte. Ok, là on est d'accord. On en a 6,8 qui rentrent. Ok, ça c'est normal. Bon, bah là je sais pas. Pour l'oxygène, je peux aller le ravitailler à mon module. Sauf si je peux construire quelque chose d'autre maintenant. Je vois que là, il y en a des fusibles. Aucun dispositif. Ouais. On est à plus 30, moins 20. On consomme 20. Ok, là c'est quoi qu'on a à couper? 3. Ah, c'est les différents emplacements. Je pense. Ouais, non, je sais pas en fait. C'est le seul dispositif qui apparaît, c'est lui. Parce que eux, ils apparaissent même pas. Et toi, tu pousses là? Ah, c'est déjà bon à récolter? Je suis pas convaincu là. Va regarder ce que ça nous dit ici. Oula! Comment ça, 136? Moins 20. Ah non, ça c'est le stockage, d'accord, j'ai eu peur. Et là on consomme 1,2 d'eau. Ouais, il m'en demande 2 et on en consomme que 1,2. Ouais. J'essaye même pas de comprendre. Ici, on a quoi en stockage? Alors, rien de bien intéressant. On va essayer de voir ce qu'on peut construire d'autre quand même avant de se quitter. Alors, construction. Là, on n'a rien de nouveau. Là non plus. Ressources. Ah, l'épurateur de CO2. On va essayer de se mettre ça. Je vais le mettre là. Non, chalumeau. Et on va manger notre dernier petit circuit. Ouais, les circuits, c'est vraiment la guerre pour les avoir, ça. Alors. Hop là. On ouvre toutes les vannes. Parce que je sais pas trop comment ça marche. Démarrer. Remplissage. On a rempli une bouteille. Ok. Pas de bouteille à remplir, comment ça? Ouais, les bouteilles d'eau, c'est pareil, je peux pas les remplir. Déjà, on a de l'oxygène. Ok, on va essayer de re-remplir celle-là. Comme ça, on aura refait le ravitaillement.
Et le CO2, je sais pas à quoi ça nous sert. Parce qu'on n'en consomme pas pour l'instant. Faut que je récupère ma bouteille. Available point for technological advancement. Ah, on a un nouveau point de technologie en électricité. On va l'utiliser tout de suite. Électricité. Amélioration station de batterie. Elles seront plus grosses. Et c'est quoi les racks de batterie? Je sais pas. Convertisseur d'énergie. Il nous faut quoi pour ça? Convertisseur d'énergie industrielle. Ouais, il est où ce truc-là? Convertisseur d'énergie industrielle, ça serait en botanique? Ça me paraît bizarre. Là, je le vois pas. Matériaux. Mécanique. Non, là, je le vois pas. Qu'est-ce qu'ils appellent convertisseur d'énergie industrielle? Augmente l'efficacité de l'utilisation lors de l'utilisation d'un desk. Ok. Je suis en train de chercher. Panneau solaire standard. Grande éolienne. Ah ouais, convertisseur d'énergie industrielle, il est là. Ok, d'accord, j'ai trouvé. Ah ouais, donc les éoliennes, on n'est pas prêt de les avoir en vrai. On fait quoi? Correctif logiciel de combinaison. Augmente l'efficacité de l'utilisation lors de l'utilisation. Ok. Là, ça me dit rien du tout. Un maximum de 5 bâtiments à une batterie. Ah, ok. On peut rajouter plusieurs bâtiments sur une batterie. Par contre, lui, ça nous dit rien. Rack de batterie. Ah, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur, ça, peut-être. On va essayer de voir ça tout de suite. Hop là, construction, électricité, rack de batterie. Gagné. Hop là. Comme ça, on va pouvoir stocker de l'électricité à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est pas mal. Ah, petit circuit imprimé. Faut que j'aille voir si... Je crois qu'il m'en reste un dans le véhicule. Mais faut vraiment qu'on apprenne à les fabriquer rapidement. Donc si vous savez comment les fabriquer, hein, dites-moi les amis. Petit circuit imprimé. Ah non, il m'en reste deux. Mais après, on en a plus. Et on a le desk aussi qu'on va essayer de construire. Et puis on arrête, on se laissera là-dessus. Déjà, on va faire les... Hop là. Alors ça me dit quoi? Ouais. On n'a pas de batterie là-dedans? Étagère. Ok. Alors on va essayer de voir. Construction. Transformateur, station de batterie. Non, c'est pas ça. On va retourner dans l'arbre de techno. Batterie combinaison, grand accumulateur, panneau de performance, petit accumulateur intégré. Alors, là, il y a un truc qui est bizarre. Il me faut P
petit accumulateur intégré niveau 1, sauf qu'il est là. Donc je sais pas comment on fait pour l'obtenir. Ouais, là c'est les petites batteries, ok. Ouais, là je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va quand même essayer de voir si on peut pas y mettre une batterie là-dedans. Station de batterie. Non, c'est pas fait pour aller à l'intérieur. On est d'accord. Construction. Transformateur. C'est pareil. C'est pas fait pour aller à l'intérieur. Par contre, ouais, non, là, je sais pas comment ça fonctionne, le rack. Cela, si je fais utiliser... énergie requise. Ah non, ça nous dit rien du tout. Et si j'y mets du câble électrique non plus. Ouais non, là je sais pas comment ça fonctionne ce truc là. J'espérais stocker de l'énergie là-dedans. Et d'ailleurs ça me les détecte même pas les structures que j'ai installées. Alors que pourtant elles sont bien là, on est d'accord. Ah, le 3 c'est le rack de batterie, ok. Ça c'est l'épurateur, et ça c'est l'unité de stockage. Par contre de l'autre côté, j'ai rien du tout d'affiché. Alors que ça devrait être sur le deuxième boîtier. Non, je sais pas, ça me dit rien du tout. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut construire encore pour finir les constructions? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on l'a fait. Habitat. Faudrait qu'on rajoute un deuxième module, je pense. Ça pourrait être une idée. Évier atelier. Ça nous permettrait de nous remplir en eau, peut-être. Et puis, il n'y a pas besoin d'électricité, je veux dire, d'électricité ici. Mais c'est surtout de l'eau qu'il y aura. Et on va peut-être pouvoir remplir nos bouteilles ici. Voilà, on peut ravitailler comme ça. Ok. Donc, dans ce cas-là, si on peut ravitailler comme ça, on va prendre une autre bouteille d'eau. Ah, il n'y a plus d'eau. Sérieusement, il n'y a plus d'eau. On a vidé les 1000 litres d'eau. Ah, et puis ça apparaît même pas ici. Passer encore, ça apparaîtrait. Ah ouais, 0,68 on est. En eau. Et ça, c'est ce qu'on a de stocké. D'accord. Ah ouais, on consomme 5,60. Ah, il nous faudrait une deuxième pompe. Alors, ensuite, arbre de techno, on n'a rien débloqué. Et d'ailleurs, pourquoi je retourne là-dedans? Non, c'est dans construction. Circuit imprimé standard, ça on a, on pourrait construire. Et le desk, on va le construire, on va voir à quoi ça sert ce truc là. Hop là. Histoire de découvrir au fur et à mesure ce qu'on débloque quand même. Alors, toi tu me dis quoi? Mettre à jour. Réparer. Ah, on peut réparer les objets là-dedans? Réparer. Ah ouais, ça nous coûte rien la réparation. Mis à part un peu de temps. Mais on peut réparer gratuitement.
Et ça me plaît. Hop là, toi t'es réparé. Prendre. Je te remets là-haut. On peut pas te remettre là? Mettre à jour, non, on peut pas. Ensuite, toi. Là, par contre, j'ai un bug. Toi, on va te réparer. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Ah, l'épisode va être encore un peu trop long, celui-là aussi. Tout bien, on va se laisser là-dessus. Je finis de réparer les outils parce que là, je pense qu'on aura fait le tour de ce qu'il y aura à faire. Hop là, ça sera réparé aussi. Et faudra qu'on rajoute un deuxième module, je pense, au prochain épisode. On peut pas le mettre à jour, hein, ça pour l'instant, non. Prendre. Et toi, je te répare aussi. On peut pas? Si. Alors, ça prend le même temps que l'outil soit complètement usé ou qu'il n'y ait presque pas d'usure dessus. Hein. Je suis en train de me rendre compte. Déjà, au moins, avec ça, on va pouvoir réparer les objets. C'est déjà un bon début. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait à construire, je pense, là. Ça on a. Jonction, on n'a pas. Et garage, on n'a pas. Donc, si à la limite, ce qu'on va faire, circuit standard. Allez, laisse-moi sortir de là. Ouais, je mets pas de sas, hein. Je les mets bout à bout. Par contre, faut que je le tourne pour que l'électricité soit du bon côté. Et il faudrait peut-être que je tire un tuyau d'eau avant. Ouais, on va peut-être essayer de tirer un tuyau d'eau avant parce que sinon on va être embêté avec l'eau. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi l'eau, ça me dit que j'ai une réserve, mais ça m'envoie pas d'eau. Si je viens ici, manque de soleil, pas assez d'énergie. Ok, donc là va falloir qu'on rajoute de l'électricité. Donc va falloir que je refasse une perquisition là-bas dans les petits circuits. Alors, construction, on a dit un deuxième habitat histoire d'avoir de la place en plus. Je sais pas si il va être connecté automatiquement, le fait d'être là. Normalement, je dirais que oui. Alors, il me faut un circuit électronique. On a dit moyen, je crois. Standard. Circuit imprimé standard. Comme ça, on va doubler la grandeur. Hop là. Circuit imprimé standard. Pourquoi j'ai plus de place? Ah, je sais pourquoi. Parce que toi, je t'ai pas remis là déjà. Et il me manque quoi d'autre? Bah, j'ai rien oublié, non. Ah si, les bouteilles d'oxygène, ça on va pouvoir les remplir. Je vais en reprendre une. Et je vais en... non, ça c'est le CO2. Le CO2, on s'en sert pas hein, pour l'instant. Attention, baisse de température. Ok. Alors, je vais essayer de finir de construire ce truc-là en vitesse. Histoire d'avoir un deuxième module. Par contre, là, c'est un peu plus long à construire. Hein. Le bâtiment est plus grand. Et niveau ressources, on va plus avoir grand-chose là, à force.
On va gagner des points. Oui, trouver un abri, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Je m'agrandis mon abri. Il a presque fini. Ok, ça c'est terminé. Alors j'espère juste une chose. C'est qu'on a assez d'électricité. On n'a pas assez d'électricité. La batterie, t'as quoi dans le ventre? Ah, t'es vide! Ah ouais, une batterie, ça suffit pas. Bon, bah ok. Maintenant, on sait qu'il va falloir rajouter des batteries en plus. Donc, on va se mettre à l'abri. On en reste là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez donc à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, bah moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ah ouais, ça va être mieux, là. Hein.